Salut, salut, chorégraphie Doing Me Wrong. C'est une débutante, 32 comptes, 4 murs, pas de tag, pas de start. À tout de suite. Il y a une petite intro qui est longue, mais faites-vous un petit cappuccino et ça passera tout seul. Ça change du café. Thank you.
et maintenant le collier. On commence donc poids du corps sur la jambe gauche. On va commencer par un rocking chair enchaîné d'un jazz box quart de tour step. Ça nous donne donc rocking chair, recroise, recule, quart de tour step. Ensuite, on va avoir out, out, in, in, side touch, snap, side touch, snap. Donc, out, out, in, in. On fait bien attention à la fin de son in, d'être poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir repartir en side touch, pied droit. Donc, side touch qu'on va agrémenter avec un snap et pareil de l'autre côté, side touch, snap. Ensuite, on va avoir les 8 derniers comptes. Chassé à droite, rock back. Chassé à gauche, rock back. C'est pas du tout les 8 derniers, mais c'est pas grave. Donc on fait ça. Pas chassé, rock back. Pas chassé, rock back. Donc on est d'accord, on se rappelle bien le petit point technique que je vous avais donné, que ce soit sur le rocking chair, sur le rock back, peu importe. Les deux pieds toujours en contact avec le sol. Je reprends ça depuis le début et ensuite je vous donne les 8 derniers comptes. Premier juré, cette fois c'est la vérité. Ça nous donne donc rocking chair, recroise, recule, quart, step, out, out, in, in, side touch, snap, side touch, snap, chassé, rock, back, chassé, rock, back. Pour finir, on va faire toe strut pied droit, toe strut pied gauche, kick, kick pied droit, enchaîné directement d'un rock back pied droit. Même chose, les toe struts, c'est vraiment je pose ma pointe et j'abaisse mon talon, je ne lève pas ma pointe du sol, je ne fais pas toe strut. C'est vraiment toe strut. Donc, j'ai fini mon rock back, toe strut, kick, kick, rock back. Là où c'est intéressant de ne pas décoller vos pieds du sol et surtout de ne pas poser votre talon sur l'arrière, c'est que du coup ça va inconsciemment un petit peu stopper votre mouvement et vous aurez plus de facilité à réenchaîner avec le rocking chair du début vu que c'est la fin. Je vous refais ça avec le long des pas et ensuite avec les comptes. Ça nous donne rocking chair, jazz box, out, out, in, in, side touch, snap, side touch, snap, pas chassé, rock, back, pas chassé, rock, back, toe, strut, kick, kick, rock, back. Avec les comptes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas précisé sur la fiche de pas, mais avec un ami, on a trouvé une espèce de petit final sur la musique, si jamais vous dansez sur la version originale qui fait, bon ok, 5 minutes 23, c'est un petit peu long comme vous avez pu le voir, mais si jamais en bas vous avez donc cette version originale qui est un petit peu longue, sur la fin on a trouvé un système pour que vous finissiez donc à midi, c'est-à-dire qu'à la fin vous allez faire votre rocking chair, votre jazz box car, parce que du coup le dernier mur commence à 6h, out, out, in, in, side touch, snap, side touch, snap, chassé, rock, back, toe, strut, kick, kick, rock, back. Et là, juste au niveau de la musique, pour que ça colle un petit peu mieux, vous enlevez le rocking chair et vous faites juste votre jazz box quart de tour, ce qui fait que vous allez tomber directement sur la fin de la musique. Vous n'aurez pas ces 4 temps de décalage et ça vous permettra de finir à midi. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas écrit sur la fiche de pas, c'est juste une petite astuce comme ça. Si vous voulez continuer la danse jusqu'au bout pour être sûr de ne pas vous planter, allez-y, il n'y a pas de souci. Allez, à plus pour d'autres vidéos, bonne révision.